vous attendiez à voir BJ et à avoir vos news de la semaine. Je suis désolé pour vous, j'ai rien contre vous, mais je déteste BJ. Je n'en pouvais plus de ce qu'il faisait de son travail bâclé. Je l'ai pris, je vous dirai pas où, je l'ai enfermé, et je vais le torturer peut-être. Que je le laisserai en vie, peut-être pas. En tout cas, il va souffrir le restant de sa vie. Ouais, parce que je suis badass. Vous avez vu un peu comme j'ondule ? Je fais ce que je veux avec mon corps, j'ai le rythme dans la peau. Ouais, j'ai un petit peu envie de gerber aussi. Bon ben voilà, donc en gros vous aurez pas de news, je suis désolé, je voulais juste vous prévenir que ben voilà, j'ai kidnappé BJ. Donc je vais me casser quoi, j'ai plus que ça à faire je pense. Alors c'est par où ? Par là. Allez, ciao. Je suis en train de me rendre compte que j'ai beau détester BJ, c'est pas votre faute quand même. Vous avez rien à voir et vous attendez des news, vous voulez être au courant de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Bon, je vais faire un truc, parce que je sais qu'il a laissé ses notes quelque part pour les news, je vais vous les dire, et comme ça vous les aurez, et puis moi je pourrai le torturer tranquillement de mon côté. Alors je pense qu'il les a mis par là. Voilà. Alors la première news c'est quoi ? Deux rouleaux de PQ à l'aloe vera contre les irritations. Ah non, ça c'est sa liste de courses, ça n'a rien à voir avec une news. Alors voilà, ah oui c'est bon, là on est bon. Alors, après que Todd Howard ait dit qu'il misait beaucoup sur la troisième génération de réalité virtuelle, de casque à réalité virtuelle, et qu'on sent qu'il y a une volonté de faire des jeux et des expériences de qualité, alors que l'an dernier c'était un petit peu en demi-teinte, on sent que la réalité virtuelle, ça reprend du... Hein, il y a de la qualité qui arrive, hein, n'est-ce pas ? Et ben Facebook vient d'investir 88... millions d'euros, de dollars, je m'en fous, rien à carré, parce qu'il a pas marqué hein, quoi c'était, genre, je m'en fous, je sais pas, on va dire de roubles, pour acheter 8300 mètres carrés de surface et de locaux près de Seattle et de ses environs, afin de faire je ne sais quoi, de, voilà, pour que ses équipes, voilà, pour qu'elles travaillent sur des jeux de réalité virtuelle. En tout cas, la guerre est lancée, et contrairement au pessimisme qu'on pouvait sentir ces dernières années, il se pourrait qu'il y ait un nouvel élan vers la réalité virtuelle. Alors c'est quoi après la news ? Oh, il écrit comme une merde en plus. Adam Kinsinski, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah oui, ça fait partie des gars qui ont fait The Witcher. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? J'arrive pas à lire avec ce casque de merde. Ouais, parce qu'il fait chaud là, on est en été et je transpire à l'intérieur quoi. Ouais, mais... Quand on est un serial killer, on n'a pas trop le choix. Alors, Adam et Kinsinski. Ah oui, ils avaient dit que c'était fini avec The Witcher, mais en fait, les petits malins, c'est qu'ils disent non, en fait, c'est pas super fini, il se peut qu'on en fasse un jour. Bien entendu, ils sont en train de travailler sur Cyberpunk 2077, hein, qui est très attendu, qui a fait la sensation à l'E3, mais il dit, alors oui, The Witcher était une trilogie, donc il n'y aura pas de The Witcher 4, parce que c'est hein, la trilogie 3, hein, en même temps, c'est Trilogus, hein, c'est le latin. Par contre, il se pourrait que ce ne soit pas du tout Gérald, ça pourrait être un spin-off où on jouerait Ciri, enfin on sait pas du tout. Mais ça se passerait dans l'univers parce qu'ils ont créé, ils ont mis 12 ans et 3 épisodes à créer cet univers génial. Ils le laisseront pas tomber, ça re-arrivera un jour certainement, on ne sait pas quand. Qu'est-ce que c'est que la suite ? Ah oui, The Last of Us, part 2, The Last of Us 2, donc qui est un jeu très attendu, que le premier était génialissime. On a vu dans les démos que ce serait Ellie qu'on jouerait et qui était avant une PNJ alors qu'on jouait Joël. Apparemment, maintenant, donc on jouerait vraiment elle en tant que personnage principal, mais elle aura un PNJ qu'on nous a pas encore montré à côté d'elle. Beaucoup de gens se demandent si ce sera Joël, qu'est-ce qui va devenir de Joël, mais apparemment pas, parce qu'il est possible que dans le scénario, Ellie et Joël soient en froid et s'en veulent un petit peu par rapport à si vous avez fait le jeu précédent à la fin. On sait pas trop. Et enfin, il y a une dernière news, hein. Ah oui, une enquête a été faite au Royaume-Uni auprès de plus de 2000 familles, des parents qui, donc, ils avaient des enfants, c'est la définition des parents, pour savoir comment les gens se comportaient face au PEGI, P-E-G-I, c'est-à-dire la classification des jeux interdits aux moins de 12, 16, 18 ans. Et bah, je vais vous le dire, hein, il y a plus de la moitié des parents qui s'en foutent et, enfin, ils le savent, hein, ils n'ont pas envie d'éduquer leurs enfants, puis après, ils diront, c'est la faute aux jeux vidéo, les jeux vidéo c'est de la merde, alors que non, c'est vous qui n'arrivez pas à éduquer vos enfants, excusez-moi du peu, excusez-moi monsieur Dan. Et 86%, ça veut dire quasiment tout le monde pour eux, il n'y a même pas de logo, ils le savaient pas, ils n'ont pas envie de le savoir, et parmi ceux, donc les qui restent, hein, je répète, qui savent qu'il y avait des logos, ils n'ont pas envie de se faire chier la vie, et donc il y a 43%, presque la moitié des familles qui voient qu'effectivement, eh ben, leurs enfants, après avoir joué en permanence à des jeux auxquels ils n'ont pas le droit de jouer, changent de comportement, deviennent violents. Je vois pas de quoi ils se plaignent, moi j'ai toujours joué à des jeux interdits aux moins de 18 ans, quand j'avais 7 ans, j'ai pas plus mal tourné que ça, voilà, je suis devenu un serial killer honnête, voilà, à un moment donné, il faut assumer ses choix. Donc voilà, je crois que j'ai fait les news, hein, j'étais pas obligé les gars, franchement, remerciez-moi, parce que j'ai du pain sur la planche, j'ai des gens à torturer,
torturé. Donc, ah oui, si, il a dit. Apparemment, il faut que je vous dise de pas grandir, parce que c'est l'arnaque. Je pense que ça veut dire, cette connerie. Moi, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. À part, il faut que vous mettiez des pouces bleus. Alors, j'ai beau le torturer, le détester, je vais le tuer. Mettez des pouces bleus quand même, hein. Ça ne change rien, ça. Ça change rien. Donc voilà. Bon, ben, je vais me casser, hein, j'y vais. Ah non, c'est pas par là, c'est par là-bas, oui.